Et c'est un vrai chef-d'œuvre. Il est bien. C'est un bon film. Jolie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, j'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, c'est... Il est pourri! Il est vraiment pourri. Salut! Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est dimanche, pas mercredi. On est dimanche 28. Le film est sorti mercredi passé. C'était mercredi, c'était le 23, je crois, ou le 24, je sais plus. Star Wars Story, le spin-off de Star Wars. Comme je l'avais dit, si vous avez vu notre vidéo de présentation 2018 des films à voir en 2018, ben, y a Star Solo. Et j'avais dit que Disney, quand il a racheté la saga, ils veulent faire un film par an. En les espaçant de 2 ans, donc une année, ils vont faire un épisode numéroté qui suit la saga, donc on a eu l'épisode 7, et l'année d'après, ils vont faire un spin-off, ils ont fait Rogue One, l'année passée, ils ont fait l'épisode 8, et cette année, voilà, ils se penchent sur la légende de Han Solo, le personnage joué par Harrison Ford dans la trilogie originale, et l'épisode 7. Alors, un film qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, moi-même, j'ai été spoilé par un ami. J'expliquerai après. Alors, à l'époque, quand ils ont voulu faire le Rogue One, il n'a pas eu un gros succès. Mais maintenant, avec le recul, beaucoup de monde préfère Rogue One à l'épisode 7 et 8. Parce que l'épisode 7, moi qui suis un peu fan de Star Wars... il m'avait bien plu au premier visionnage, mais après, dès que j'ai eu le DVD, vu et revu, c'est vrai qu'il est trop réminiscent de l'épisode 4. Mais j'apprécie toujours le film. Il y a des défauts, mais j'aime bien. Mais après, il y a eu Rogue One. Rogue One, ce qui m'a dérangé, c'est le développement des personnages. À part Chirrut. Il s'appelle comment, Chirrut? Je crois qu'il s'appelle Blaise. Les deux chinois, Danny Yan et son pote. Mais la fin de Rogue One, dès que je suis rentré à la maison, j'ai regardé l'épisode 4. Après, ils nous ont fait l'épisode 8. L'épisode 8, on a une vidéo l'année passée. J'étais dégoûté, j'étais déçu. Donc, je vais voir Solo parce que je suis fan de Star Wars. Je suis curieux de le voir. Mais l'épisode 8 m'a cassé un peu la hype que j'avais. Et c'est vrai qu'en allant voir Deadpool, j'ai vu la bande-annonce de Solo et ça donnait pas trop envie. Alors que l'épisode 8, la bande-annonce était magnifique. Solo, non. D'ailleurs, si vous regardez la fin de la vidéo de Deadpool, quand je parlais des deux films à voir prochainement, j'ai dit Jurassic World et Star Wars, j'avais aucun enthousiasme. Parce que malheureusement, j'ai vu, ils nous ont montré la bande-annonce avant le début du film. Et ça donne pas envie du tout. Donc restons sur Han Solo, qui est réalisé par Ron Howard. Quand je dis un film qui a fait couler beaucoup d'encre, quand ils ont décidé de faire Solo, tous les fans, machin, ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, comme ils ont traité Solo dans l'épisode 7, qu'est-ce que ça va faire? Il y a eu même des rumeurs qu'ils ont viré des réalisateurs. Ben, j'ai fait des recherches. Non. Avant la sortie du film, quand ils ont décidé de faire le film, ils ont casté des réalisateurs, ils en ont refusé plusieurs. Ils ont voulu, au départ, c'était réalisé par Phil Lord et Chris Miller. C'est deux réalisateurs qui fonctionnent ensemble. C'est eux qui ont réalisé le remake de 21 Jump Street et 22 Jump Street. C'est eux qui ont fait les deux films. Ils ont fait Lego La Grande Aventure et ils ont fait Lego Batman, le film. Les Jump Street, j'ai pas vu. J'étais pas très fan de la série étant jeune, donc les films m'ont pas trop intéressé. Mais Lego La Grande Aventure, j'ai beaucoup aimé. Alors, Batman, le film, Lego, magnifique. Donc au départ, c'était eux, ils avaient même réalisé quelques parties du film. Mais après, ils les ont enlevés pour faire appel à Ron Howard pour finaliser le film. Ben, quand j'ai fait mes recherches,
Je pense pas qu'ils les ont virés parce qu'il y a un malentendu, parce qu'il faut savoir que les deux, Phil Lord et Chris Miller, sont le producteur délégué sur le film. Donc grosso modo, c'était producteur, réalisateur, ils se sont dit on va le faire. Mais je pense avec tout le tintouin qu'il y a eu dessus, ils ont préféré faire appel à un réalisateur qui est plus bankable. Parce que de dire, ah ouais, mais c'est les réalisateurs de Lego, la grande aventure, qui vont nous faire un film solo, c'est pas sérieux. C'est comme je sais plus quel film Disney a réalisé, et il a donné la réalisation au réalisateur de Toy Story. Donc voilà, c'est un film qui a beaucoup fait parler, donc je pense qu'ils ont fait appel à Ron Howard, juste pour avoir quelqu'un de costaud. Et Ron Howard, c'est celui qui a fait pour moi Willow, l'un des meilleurs films. J'ai découvert Ron Howard avec ça, avec Val Kilmer à l'époque. La Rançon avec Mel Gibson. Apollo 13, malgré quelques incohérences sur la physique spatiale et ce qui se passe dans l'espace, sinon le film était bien. Après, il a fait la trilogie Dan Brown. J'ai bien aimé Da Vinci Code, j'ai bien aimé Ange et Démon, Inferno, No Comment. Sinon, quoi dire d'autre? Donc voilà, ils veulent juste faire... Bon, comme j'ai dit, j'ai été spoilé. Donc voilà, avec l'épisode 8 et tout le tintemar qu'il y a eu dessus, ça donne pas trop envie. J'ai vu la bande-annonce, ça me donne pas trop envie. J'ai un ami, Fred, si tu regardes cette vidéo, salut. Il a posté sur Facebook, juste après qu'il est sorti du cinéma, avoir vu le film. Il n'a pas l'air d'avoir aimé. Et comme il est de ma génération, qu'il est fan de Star Wars autant que moi, et qu'il est aussi au courant de l'univers que moi, même un peu plus, si lui, il n'a pas aimé, je redoute déjà le film. Donc, je le crois sur parole. Je voulais voir Avengers, malheureusement, il n'est plus à l'affiche. Donc voilà, ce dimanche 28 mai, je vais voir Solo, A Star Wars Story. Alors voilà, on va pas faire plus long, je vous dis à tout à l'heure, n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous, partagez ou faites des commentaires. À tout à l'heure, ciao. Re-salut. Ben, je viens de sortir de Solo Star Wars. Alors, Rogue One reste mon préféré. C'est... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, ça reste un bon film d'action. Parce que ceux qui ne connaissent pas les personnages... Ça reste un film qui se passe quelque part sur une planète ou des planètes. Beaucoup d'incohérences scénaristiques. Ce qui me déçoit encore plus, je viens de le voir dans le générique, dans les scénaristes, ça j'ai oublié de vérifier, il y a Jonathan Kasdan. Et pour ceux qui ne savent pas, Jonathan Kasdan fait partie des scénaristes d'origine de Star Wars. Si je dis pas de conneries, il était sur l'épisode 4, 5, 6. Ou peut-être les 6 premiers. Mais sur la trilogie originale, Jonathan Kasdan fait partie des scénaristes. Donc c'est un mec qui connaît bien l'histoire. Et il nous fout une histoire. C'est comme s'il a oublié ce qu'il a écrit il y a 30 ans en arrière. Alors, ouais, je vais peut-être spoiler 2-3 petits trucs pour raconter le machin. Du fanservice, on veut-tu, on voit-là. Il y en a tellement que ça se voit tout de suite. Ça ne sert pas le scénario du tout, c'est juste pour faire le lien. Donc comme c'est le deuxième spin-off, mais c'est ce que Disney a décidé de faire, les spin-offs, il n'y aura pas de texte déroulant comme dans tous les Star Wars, mais il y a un petit texte au départ qui nous dit, et souvenez-vous bien de ça, l'Empire ayant dominé la galaxie, il y a le scène de du crime qui profite de la situation, donc... qu'il y a une sorte de syndicat qui gère un peu la contrebande et tout machin dans la galaxie. D'accord. C'est bon, c'est la guerre, les Jedi sont morts, l'Empire domine, il y a la guerre, il y a les rebelles, ce qui fait que les autres petites planètes, elles sont un peu livrées à elles-mêmes, donc il y a le syndicat du crime qui s'est créé.
Maintenant, j'ai oublié le nom du syndicat du crime avec leur chef et on s'en fout. Solo, il s'appelle pas Solo en fin de compte, Han Solo. Il avait un nom avant, il vivait sur Arcadia, je crois que ça s'appelle Arcadia. Je sais plus le nom de la planète, qui est toute pourrie, qui est gérée aussi par syndicat. Lui, c'était un petit voleur à deux balles. Le film commence, il fuit des gens, on ne sait pas si c'est l'Empire ou qui que ce soit. Il vole un speeder, tac, il accroche les fameux dés, la petite chaînette avec les deux dés qu'on voit dans le Faucon du Millennium. Qui, ça dépend des plans, il disparaît, il réapparaît, mais avec un gros plan dessus à chaque fois. Donc c'est un setup qui aura son payoff à la fin, vu qu'on sait que ces dés font partie du Faucon du Millennium. Alors, l'acte 1 du film raconte rien, à part une petite histoire pour montrer un peu les motivations de Solo. Alors que, voilà, le film il démarre avec un Solo qui fait un coup bas en traître à son chef de bandit qui l'envoie faire un truc et qui préfère se garder ça pour lui-même. Et il décide de s'échapper, mais pour revenir, il donne ça bêtement. Mais il se dit non, et il s'engage dans l'armée impériale pour être pilote. Alors qu'on ne le voit jamais être pilote dans l'armée, parce que Solo est censé être le meilleur pilote de la galaxie. On le voit, il est sur le champ de combat, mais terrestre. Il dit oui, je me suis engagé dans le truc pour comme pilote, mais on m'a viré parce que je suis une tête brûlée. Je vois pas toujours le rapport, mais on s'en fout. Encore une fois, il va rejoindre un groupe. Le groupe l'accepte, alors qu'ils ont voulu ils ont pas voulu de lui au départ. Comme tous les Star Wars, à chaque fois, ils ont une grotte avec une bestiole, et quand on veut pas des gens, on les balance dedans pour se faire bouffer. Mais dès que la bestiole apparaît, on comprend directement où veut aller le scénario. On sait donc la finalité du combat. Ils essayent de nous faire un lien entre lui et Chewbacca, qu'ils essayent de développer au fur et à mesure, mais... voilà, ils deviennent les meilleurs amis du monde. C'est développé comme ça, je viens de vous faire le résumé du développement. Y a un setup... Sur la confiance, il y a un mec qui essaie de lui faire la morale, qu'on est des bandits, il faut avoir confiance en personne. En lui-même qui fait des coups de traître, fait non, 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 moi j'ai confiance. Bien sûr, le payoff arrive plus tard, mais enfin, je vous fais encore un résumé, que je résume très bien. Il y a une faction dont je ne sais l'utilité qu'on voit un moment. Par exemple, la Rogue One. On nous montre des personnages, même s'ils ne sont pas très bien développés et qu'ils meurent à la fin. Il y a quand même, pour Chirrut et son copain Blaze, il y a une petite émotion quand même à la fin, même si ils meurent. Alors que là, dans l'acte 1, ils nous font des personnages qu'ils tuent vite fait, en essayant de nous faire de l'émotionnel. Alors par exemple, pour moi, c'était juste des têtes à claques et je m'en foutais qu'ils crèvent. Et bien sûr, Solo qui s'en sort et qui... Voilà. Quand je fais ça, ça veut dire que je suis en train de vous résumer le développement qui a été fait. Voilà. Donc, voilà. À la fin, Solo s'en sort avec Chewbacca qui l'appelle Chewie. Au lieu de nous dire, ils ont fait juste une petite phrase, ils trouvent que Chewbacca c'est trop lent, donc il ne l'appellera jamais comme ça. Et à un moment, il l'appelle Chewie et ça reste. Moi qui suis fan de Star Wars, alors la trilogie originale pour moi fait partie de ces films que j'ai jamais vu en VO, parce que j'ai grandi avec en VF, donc en VO j'ai eu de la peine. Ce qui fait la voix française de Han Solo, et elle est enregistrée quelque part pour moi. Et là, j'ai de la peine. Ah merde, j'ai mal pris mon élan.
ça passe pas pour moi la voix française de, du nouveau Yann Solo. Et même visuellement, la carrure, ça manque. Il essaie de se la jouer à la Han Solo, mais ça le fait pas trop. Ça le fait pas trop. Ça passe, ça le fait pas trop. Aussi, la rencontre Han Solo et Calrissian. C'est censé être les meilleurs amis du monde ou les pires ennemis. Ils s'aiment pas. Bien sûr, avec un fan service, ils nous font une petite scénette de, d'une cantina dans le film. Mais il n'y a que des humains avec juste quelques masques pour certains. Et c'est quand ils croisent Calrissian qu'ils nous font une sorte de petite partie de poker. Et bien sûr, on comprend que l'enjeu est le Faucon du Millennium. Et que non, ça ne colle pas. Il copie un peu le scénario de Rogue One en mettant des personnages qui au départ s'intéressent à rien et que d'un coup changent et commencent à devenir des gens gentils à la Suicide Squad où il dit mais moi je suis un méchant. Alors qu'on connaît le, ceux qui connaissent Star Wars, on sait comment va finir Han Solo, mais pas très convaincant. Un développement à la qui fait que je suis Han Solo. Ils nous ont fait un petit robot style K2 dans Rogue One, L3 elle s'appelle, qui est moins drôle et moins attachante que K2. Moi K2 c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le Star Wars Rogue One, alors que là L3 c'est juste une tête à claque. En plus ils ont fait un personnage féminin. Encore Disney qui essaye de se racheter sur les droits, l'égalité, toutes ces conneries. Ils essayent de nous faire un peu de truc. Soi-disant, ils exploitent ça pour nous faire l'attachement de Calrissian au Faucon du Millennium. Alors que le film, on ne sait toujours pas si vraiment ce Faucon du Millennium est son vaisseau à lui ou il l'a volé à ce moment-là. Mais ils exploitent un peu un truc pour faire l'attachement de Calrissian à ce vaisseau Faucon du Millennium. Comme tous les Star Wars, on nous parle de ce Faucon du Millennium comme étant un débris. Et c'est un débris parce que dans chaque épisode, on nous dit qu'il y a des vaisseaux beaucoup plus puissants. Je vais allumer la lumière. Et beaucoup plus... Allez. Ils nous font toujours un truc... Il y a toujours des vaisseaux beaucoup plus rapides, mais tout le monde s'acharne à vouloir ce vaisseau-là. Ils nous font un pseudo-développement sur le raid de machin dans Yann Solo, ce targ dans l'épisode 4, et qu'on retrouve dans l'épisode 7 quand il parle avec Rey le croiseur. Enfin, c'est vous qui avez fait le raid de machin en 14 parsecs, et lui fait non en 12. Ouais. La façon dont ils nous ont amené Tatooine, je préfère la fin de Rogue One qui nous fait le lien avec l'épisode 4 que la soi-disant Tatooine. Sauf que voilà, petit spoiler, j'ai dit qu'au départ, ils nous disent que l'Empire domine la galaxie. Sauf qu'à la fin du film, il y a un personnage qui entre en contact avec Dark Maul. Dark Maul, c'est un personnage... qu'on a vu dans l'épisode 1 de la prélogie de Star Wars, c'est pas un Jedi, c'est un Sith qui est le bras droit du et sur le bras droit, je reviendrai encore sur un autre fait, une connerie du film de l'empereur Dark Sidious qui se fait tuer par Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 1, celui qui tue Qui-Gon Jinn. Vu que l'Empire domine la galaxie, quand on sait que la prélogie, l'épisode 1, se passe 10 ans avant l'épisode 2, l'attaque des clones, donc il est mort. Et l'épisode 2, l'épisode 3 se passe à une période pas lointaine, donc pas beaucoup.
Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est l'Empire domine la galaxie, ça veut dire que Dark Vador existe déjà, qu'ils sont en train de construire l'étoile de la mort, que Dark Sidious est Dark Sidious, les Jedi sont morts. Ça colle pas du tout. Après, dans le film, le méchant qui domine un peu le chef de la, du syndicat du crime... ouais, ils ont un logo, machin. Ils ont un logo. Comment dire? Ils veulent faire un braquage sur une planète. Le chef des voleurs leur dit « Non, je ne peux pas vous laisser aller faire le braquage là-bas parce que j'ai des affaires avec eux et on a un accord de paix entre nous. » Donc, s'ils savent que c'est moi, ça va déclencher une guerre, machin. Et là, Yann Solo, il lui fait, moi, je suis nouveau dans l'équipe, on ne me connaît pas, personne ne sait que je bosse pour vous. Donc, si j'y vais, ils ne sauront pas que c'est vous. Il fait, ouais, ça, c'est une bonne idée. Mais pour ça, vous allez avec mon bras droit. Et son bras droit qui a un tatouage de la confrérie, là, sur le poignet. Et quand ils arrivent sur la planète, elle se présente en tant que machin truc. Donc, comment tu veux faire une attaque discrète sans qu'ils sachent que c'est toi en envoyant ton propre bras droit sur la planète? Au moins, dans la prélogie, Dark Sidious utilisait le petit... Il s'appelle comment, le petit Anakin Skywalker, sans qu'il sache qu'on l'utilise. Donc, alors que là, t'envoies direct ton bras droit et il se présente en tant que ton bras droit. Et c'est copié un peu sur l'épisode 4 où ils enchaînent Chewbacca et machin. Ouais, c'est... Je l'ai dit en première partie, ils ont pris Ron Howard parce qu'ils ont besoin d'une tête d'affiche pour faire le truc. Parce que les acteurs ne sont pas connus, à part Woody Harrelson. Une scène finale... Si vous êtes fan de la trilogie originale, il y a un truc qui fait débat, parce que quand Lucas a remasterisé la saga, il a changé un petit plan, c'est sur la question « Han shot first ». Han a tiré en premier. Il y a une scène qui se passe dans une cantina, normalement c'est Han Solo qui a tiré en premier, ça a fait débat, il y a eu le premier remaster, il a rajouté un coup de feu qui a fait chier les fans. Et le dernier Blu-ray, alors là, on ne voit même pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé. Qui fait que... Voilà, là, ils nous ont fait une scène, c'est Han Solo qui tire en premier. Comme le film, il est déjà en Blu-ray 3D, 4K, il va sortir. On ne pourra pas, et même le mec, il lui fait « t'as bien fait, c'est ce qu'il fallait faire ». Peut-être c'est ce qui va nous amener sur la Tatooine. Voilà. Je résume bien l'épisode Star Wars. C'est de la merde. Voilà. J'avais vu la bande-annonce, ça me donnait pas envie. J'ai vu l'épisode 8, j'étais pas très enthousiasmé. J'ai lu la critique de mon ami sur Facebook. Et je confirme qu'il avait raison. Même ça me fait penser, maintenant je comprends mieux, un petit gag que Deadpool a fait dans le film Deadpool 2. Quand il veut faire sa X-Force, il lui fait « Mais on va recruter, mais tu me recrutes des jeunes ?» pour qu'on puisse faire des suites, 4, 5, 6. Pas des vieux qui dureront pas longtemps. Je pense que c'est pour ça que le casting, à part Woody Harrelson, qui est juste là pour faire un petit lien d'un personnage quand même, et il a joué dans La Planète des Singes 3, j'ai bien aimé son personnage. Mais oui, c'est des jeunes qu'on connaît pas, parce qu'il y aura des suites et des suites et des suites. Voilà, se payer Jonathan Kasdan pour faire un truc pareil, en général, quand on se paye un scénariste des trilogies d'avant, c'est pour qu'on ait une cohérence. Non, il n'y a pas de cohérence. Donc, pour ceux qui n'aiment pas Star Wars, qui ne connaissent pas, ça reste un bon film, mais pour les fans de Star Wars, c'est une merde pas possible. Il y a aussi, on ne sait pas si l'histoire se passe sur la même planète ou sur plusieurs planètes différentes. Parce qu'il y a des changements de décor,
Mais il n'y a pas comme les autres Star Wars, on nous montre un vaisseau dans l'espace qui arrive vers une planète, on nous dit, ça parle un peu de Scarif, ça parle un peu de certaines planètes qu'on connaît pour faire le lien. Mais comme c'est juste un cut sur fond noir et après un changement de décor, j'ai jamais su si tout se passe sur une même planète et qu'il se déplace juste d'un point à un autre. À part le truc à 12 parsecs quand ils prennent le faucon du Millennium, mais sinon on ne sait pas du tout. Voilà. Donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Star Wars Solo, Star Wars Story, c'est de la merde si vous êtes fan. J'aurais aimé voir Avengers, que j'ai toujours pas vu. Voilà. Maintenant je vais rejoindre mes deux chéris à la maison. Mercredi prochain, si je peux, j'irai voir Jurassic World, même si je suis pas trop tenté. Mais c'est vrai, avec la vie qu'on mène actuellement, ça me fait du bien de me faire une petite sortie cinéma, quitte à me faire chier pendant 2h15. Voilà, voilà. Mes chéris qui m'attendent à la maison, j'arrive. Sinon, pour vous, je vous dis peut-être à mercredi prochain. N'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et pensez à partager sur Twitter, Facebook, Google+, ce que vous voulez. Et mettez-nous des commentaires. Voilà, sur ce, ciao !